Un accord de coopération a été signé jeudi à Bruxelles entre l'agence Maghreb Arab Press Map et l'agence de presse belge Belga News Agency Belga, signé par le directeur général de la map, M. Khalil Hashimi Idrissi, et le directeur de Belga, M. Patrick Lacroix. Cet accord vise à renforcer la coopération bilatérale et à consolider les relations professionnelles entre les deux agences. C'est un accord que nous avons signé aujourd'hui, extrêmement important dans la mesure où il prolonge l'accord historique que nous avions, mais il met à l'ordre du jour cet accord dans la mesure où il y a des nouveaux défis concernant nos agences. Des défis numériques, les défis de l'instantanéité, les défis même liés à l'identité d'une agence de presse et à sa vocation. Et sur cet aspect-là, nous avons décidé ensemble d'approfondir cette collaboration pour servir mieux et davantage nos abonnés qui sont de plus en plus diversifiés. Ils ne veulent plus que la dépêche, ils veulent des images, ils veulent du son, ils veulent des infographies, ils veulent des vidéographies. Et ils veulent également des photos. À l'occasion de la signature de cet accord, l'accent a été mis sur l'importance de ce dernier en matière du renforcement de la coopération entre le Maroc et la Belgique. C'est une collaboration qui date de longs jours, dont Belga se réjouit de l'avoir renouvelée. La collaboration avec MAP est très importante pour Belga. D'abord parce que les relations entre le Maroc et la Belgique quand même nous apportent beaucoup d'actualités et c'est toujours utile d'avoir un point de repère, un contact direct avec ses collègues dans l'autre pays, mais encore plus parce que ça nous donne quand même des détails beaucoup plus authentiques que les agences de presse internationales dont on dépend normalement pour avoir des informations et marocaines et aussi africaines. A rappeler que le premier accord conclu entre l'agence Maghreb Arab Press Map et l'agence de presse belge Belga News Agency Belga remonte à 1978.